Eh ben aujourd'hui, petite revue concernant le dernier de chez OBS, le Crius. Nous allons le voir donc en gros plan, que dire tout de suite sur sa boîte, boîte en carton comme d'habitude, boîte en plastique. Une petite notice par contre qui est relativement bien faite, même si elle est toute en anglais, donc on retrouve ça à l'intérieur, avec vraiment quelque chose d'assez... ouais, c'est bien expliqué, enfin je veux dire... Vous pouvez vraiment bien comprendre le montage, même si on va le voir en gros plan. À l'intérieur, vous allez retrouver, comme d'habitude, le Crius qui n'est pas là parce qu'il est là. Et forcément, donc le Pyrex de rechange, ça c'est bien, maintenant ils le font tous. Un petit tournevis. Derrière, vous avez donc du coton japonais, ou organique, je sais pas trop quoi, des spares, des joints de rechange, une seule vis, ça c'est pas trop. Une petite vis et des résistances tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan. Je vous explique un petit peu comment on le monte et on se retrouve à la fin. Allez, à tout de suite. Donc nous voici en gros plan concernant l'OBS. Le fameux Crius, donc présenté dans une boîte classique avec tout ce qu'il faut dessus. On s'en fiche un peu. Hop, c'est du carton. Nous retrouvons donc le OBS Ortea dans une boîte maintenant bien commune en plastique. Dedans, vous avez donc le fameux manuel qui est relativement bien fait. Bon, après, c'est un manuel classique. Par contre, lui, il est tout en anglais. Voilà, vous allez retrouver donc cette boîte, donc le fameux Crius, la tourniseur, un tank Pyrex de rechange et un tournevis qui est lui est important puisque c'est un petit petite clé Allen en fait, voilà, un 6 pans qui va nous servir pour le montage de résistance. Donc concernant le Crius, voilà, donc un petit tour d'horizon. Voilà, c'est un 22 mm. On retrouve les inscriptions Crius, OBS. On va bien voir. De toute façon, c'est écrit sur lui. Le pin 510, lui, n'est pas réglable. Le drip tip est en Pyrex et inox avec deux joints toriques. Donc, ça tient vraiment bien. Voilà. Donc, ça, c'est un point positif. Après, donc, vous avez le top cap qui, lui, donc, le design, on aime ou on n'aime pas. Ici, nous avons, donc, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Comme ceci. Il y a marqué up. Donc, c'est simplement parce que on tire tout doucement dessus. Et surprise, le remplissage est par le haut, avec une très très grande embouchure, et ça c'est plutôt bien. Après le démontage, il n'y a rien de plus facile. Hein. Il n'y a pas de vis, rien à dire. Donc le top cap, avec sa cheminée propriétaire, celle-ci ne s'enlève pas. Donc toujours ce système de remplissage, très très grosse ouverture, ça c'est super bien, super pratique. Le tank Pyrex, classique, de bonne facture, pas coupant, bien fini. Ceci donc hop, fait la chambre et en même temps, vous voyez, il y a quatre trous qui va vous permettre de faire l'arrivée du liquide. Quand il est fermé, voilà. Il y a donc quatre trous qui, en fait, quand vous allez tourner la bague du bas, va plus ou moins les ouvrir et les fermer. Voilà. C'est pas facile parce qu'il n'est pas remonté. On ouvre et on ferme les arrivées des juices. Toujours des filetages parfaits.
Et voici donc le plateau de travail, qui est relativement assez large, tout en sachant que au-dessus de 5, ça risque de faire faux contact avec la cheminée qui vient à fleurs. Donc deux gros arrivées de d'air. Voilà. Je vais prendre. Donc, vous avez donc un arrivé d'air là et un arrivé d'air là avec de grosses balles, enfin de grosses arrivées d'air par en dessous qu'on peut fermer ou ouvrir. La bague est relativement dure et ça c'est plutôt bien pour les réglages. Le plateau est type Velocity. C'est un plateau Velocity. Donc vous avez 4 postes. Donc c'est extrêmement facile pour monter vos coils. Et ici, vous avez donc 4 trous. Autofocus, merci. 4 trous où on va placer là notre coton. Voilà. Il n'y a rien de très très compliqué. Au contraire, le plateau Velocity permet de faire vraiment des montages extrêmement aisés. Le seul défaut, tout de suite, pour moi, c'est les petites clés Allen. Donc, ça vous force à avoir vraiment à ne pas perdre ou à en avoir une autre de rechange. Le petit tournevis qui est vendu avec. Donc, petite coupure, on fait un montage rapide et on voit la suite. Donc, pour le montage, ben voilà, c'est merci. Tout simple, hein, la première résistance, je viens de la mettre. Donc, moi, j'ai fait un axe de 2,5 avec du 0,40. Donc, vous voyez, ça passe très, très facilement. Il suffit juste de centrer. Je vais le retravailler après. Donc, la première résistance a été mise. On va mettre la deuxième, ça va être assez compliqué, mais je vais essayer de faire ça dans le champ avec vous. Donc voilà ce que je disais, les petites BTR, c'est le seul défaut qu'il pourrait y avoir, enfin moi ça m'ennuie, puisque alors surtout ne forcez pas vos résistances dessus, ça sert à rien, vous risquez de couper votre cantal. Donc voilà, on passe tout simplement dans les deux postes. Donc l'avantage, bah, vous en avez un en haut, un en bas. Donc c'est vraiment extrêmement facile pour faire du dual coil. C'est vraiment un plateau très très agréable. Parce que ça demande rien. On passe dans chaque trou. Voilà. Donc celui-ci, sur celui du haut, bah, il vaut mieux laisser un peu de longueur pour pouvoir retravailler après. Voilà, je sais pas si on voit bien. Je peux vous dire, c'est compliqué. On resserre. C'est pas la peine de serrer à fond, sinon je vous dis, vous risquez de couper votre cantal. Tout simplement. Voilà. J'enlève l'excédent. Voilà, tout simplement. Donc celui d'en haut, ben, je vais le positionner à peu près à 1,5 mm. Ouais, celui d'en bas, je vais le relever un peu. Là. Logiquement, on va obtenir un montage, merci. À peu près à la même hauteur, tout simplement, même plus bête. Et maintenant on va passer donc le coton et le positionner. Donc je vais prendre un peu de coton, je vais prendre de la Fiberflex densité c'est de la 2. Donc, il y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Alors ça, c'est bien. Alors, je vais couper là, je m'en fiche, mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, comme d'habitude, la petite mèche qui va mieux. Tout simplement.
Dans tous les atouts, celui-ci, l'avantage du plateau vraiment Velocity, c'est que vraiment pour ceux qui commencent le reconstructible, ça n'a rien de compliqué. Et ça, c'est quand même super bien. Alors, vous voyez, je coupe relativement proche de ma de mon plateau de travail, comme ceci. Voilà. Et après, le plus simple, alors c'est une méthode, c'est s'embourrer, on vient mettre, comme ceci, l'intérieur. Alors je vais essayer de faire voir. Avec la lumière, ça va peut-être pas le faire, je vais réduire la lumière. On vient mettre vraiment le coton dedans, s'embourrer. Moi j'ai trouvé cette technique assez facile. Voilà, s'embourrer. Si vous avez besoin de recouper, excédent, vous coupez. Faut vraiment pas beaucoup de coton. Si vous mettez trop de coton, vous allez avoir un dry heat. Donc moi la première fois que je l'ai monté, je me suis retrouvé à mettre, je me suis dit, tiens, je vais mettre un max de coton dans le trou et logiquement plus il y a de masse pour absorber et mieux c'est. Mais en fait non, il n'y a pas besoin d'en avoir une tonne. Il y a juste besoin d'en avoir devant le trou, hein, le petit trou qui est ici, pour que le jus puisse être absorbé sans faire de dry heat. Vous voyez, je coupe l'excédent en pointe. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Forcément, je vais enlever la petite bavure qui est là. Voilà. Alors, je ne sais pas si mon autofocus. On va bien voir. Essayer manuellement. Voilà. Ce que ça donne. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre une tonne. Non. Je vais retravailler un petit peu la résistance. La remettre un peu. Simplement. Pour le deuxième côté, pareil. Restant, mais vraiment c'est facile, 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 mais en plus le résultat est surprenant. Donc vous avez compris, c'est un double coil obligatoire. Le maintenant mon poteau Willy là, je vais vous mettre le petit lien après sur le plan large, vous pourrez aller le voir. On en avait discuté et en fait vous allez mettre vous regarderez sa vidéo, mais en mettant les petits bouchons de pipette en silicone, vous pourrez le monter en simple coil. Alors j'ai essayé, je trouve que ça marche très très bien. Après, j'aime bien Duel. C'est que mon avis perso. Alors en mono, forcément vous allez consommer beaucoup moins de juice, hein, du fait que vous aurez que une seule mèche au lieu d'en avoir deux. Et par contre, si vous vapez extrêmement aérien, parce qu'il est capable de donner beaucoup d'air. Comme en vape serré, en mono, je trouve que l'aromatique est un peu dissipée du fait de l'aérien. Donc voilà, tout simplement, hein, on fait comme ça. Après, on imbibe la mèche. Donc je vais prendre, tiens, je vais prendre ça. Je l'ai goûté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai fait en vidéo. Le Moonwalk, franchement, super bon. En plus, ça va faire une couleur sympa. Que je trouve. Donc il n'y a pas besoin d'imbiber un max. Alors. Fiber va faire son travail. Simplement. Un petit peu d'entrée.
La issue. Il suffit de remettre le contrôleur de juice, on peut appeler ça comme ça. Ce qui va vous faire votre chambre d'atomisation. Ça se visse comme dans du beurre. Là, je serre. Voilà ce que ça donne. On remet le Pyrex. Le top cap. Avec sa cheminée propriétaire. On serre. Voilà. Donc, tout simplement, la bague d'airflow. Alors, je vais l'enlever. Hein, de son, ce sera plus facile. Donc je rappelle, hein, une bague d'airflow, vraiment de très très grandes ouvertures. Et ici, maintenant on va mieux voir, si je tourne donc la bague, je vais ouvrir ou fermer les arrivées de juice. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Bien sûr, on va pas vouloir. Ça marchera plus facilement quand je regarde. Par contre, voilà, alors, le truc ultra facile pour le remplir. Hop. Hop. On penche. Et on remplit. Alors, pour remplir, astuce. Pour pas avoir de problème de fuite. Moi j'ai réussi à le faire sans fermer tout, mais l'idéal, on ferme l'airflow, on vérifie que les arrivées de juice sont bien fermées, ce qui est le cas. On remplit. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et ça va tout seul, que ce soit des grosses pipettes comme celle-ci, la petite pipette. Ça remplit tout seul. Sans fuite. J'y vais comme un cradingue, exprès pour voir. Et je remplis, on pousse. Bon, je vais pas remplir à fond, on va le laisser comme ça. Une fois qu'il est rempli, on referme. Alors, bien sûr, je vais l'essuyer un peu. J'ai été un peu comme un crasseux. On peut réouvrir ces airflows et surtout réouvrir l'arrivée de juice. Voilà. Triptyque. Et on se retrouve tout de suite en plan large. Pour voir comment ça va, parce que c'est le principal. Allez, à tout de suite. Et ça fonctionne de feu de vie. Donc voilà ce que ça donne comme setup. Je mets comme ça. C'est flush, pas de soucis. Les pas de vis, nickel. Restitution des saveurs. Extraordinaire. Aérien. Serré. Franchement, il a tout cet atout. Pour moins de 30 balles, on a un atout qui marche de feu de dieu, en dual coil. Donc je vais vous mettre le lien aussi de Willy, un poteau que je suis depuis le début. Qui lui l'a monté, on en avait discuté sur un TS, avec des bouchons de pipettes, j'en ai plus, voilà, des petits bouchons de pipettes comme ceci, vous les coupez, vous mettez deux petites pipettes dans le trou, d'arrivée de liquide, d'arrivée d'air, pardon, pour fermer la totalité, étanchéité, enfin vous regardez sur cette vidéo, en monocoil, ça marche super bien. Le seul petit défaut bémol que ça pourrait avoir, c'est qu'en mono, on a une tendance à une perte, et c'est normal, d'aromatique par rapport à l'aérien. Voilà. Sinon, que dire? Les plus, les moins, les plus. Non, je vais commencer par les moins. Les moins, pour moi, c'est les petites vis VTR. Alors, si vous perdez en plus le tournevis, c'est comme un con, etc. En plus, faut faire attention de pas serrer les coils à fond, sinon vous allez couper vos fils, et bien, ce coup, ça ne marchera plus. Les moins, moi j'ai pas ce souci là, mais je sais que beaucoup ont eu une espèce de suintement, mais c'est vraiment infime, entre la bague d'airflow
Et la bague qui tient en fait le pirate, ici sur le trait, vous allez avoir un suintement qui est extrêmement léger. Moi je ne l'ai pas eu. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont eu. Il suffit d'essuyer un coup et franchement ça repart comme l'an 40, comme vous pourriez dire. Les moins, j'en ai pas d'autres. Franchement, c'est super à tout. Ah si, c'est la consommation, par contre, en double colle, c'est on compte du juice que l'on a. Maintenant, les plus. Bah, les plus, franchement, ouverture, on remplit, on appuie, c'est rempli. Ça, c'est le top. Arrivée de juice, qui est vraiment bien faite, et qui marche, parfait. Zéro fuite. Ça, c'est le top aussi. Franchement, moi, j'ai eu aucune fuite. Pensez à bien fermer vos arrivées d'air, vos arrivées de juice quand vous le remplissez, et là, ça marche. Niveau vapeur, eh ben, il marche, hein, il est extrêmement bien aérien. On peut aussi vaper serré. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bien. Et en plus, une super restitution de saveur. Et ça, c'est le top. Pour moi, je pense que c'est, au niveau rapport qualité-prix, saveur-vapeur, le meilleur atout qui est sur le marché à l'heure actuelle. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce atout. Franchement, à moins de 50 balles, je crois qu'il est à moins de 30 euros sur Gearbest. Ouais. À la limite, je mettrais bien dessus, sous la vidéo. Ouais, faut vaper avec ça. Enfin, ça, c'est tonnerre, quoi. Il est super bon. Si je le mets, je le mets dans le numéro 1, je crois. Il bat mon TFV4, il bat mon Baby, il bat les Epirus. Enfin, grosso modo, de tous les atouts à peu près qui sont là en cours de sortie, qui sont sortis il y a peu de temps, celui-ci, au niveau rapport qualité-prix. Alors il y a le Griffin qui est à peu près le même, beaucoup plus cher. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo matos. On fera certainement une box. Une box qui a été fait par Lidl à Noël, qui fait 200 watts. Bon, allez, pas de suspense, c'est la fameuse relue, on fera la relue. Allez, je vous dis à bientôt. Ah oui, pensez à l'Edus aussi. L'Edus, c'est extrêmement important. Il faut se battre contre le pouvoir des tabacs, etc. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Et l'Edus, c'est certainement le meilleur opposant à l'heure actuelle. Donc, vous adhérez ou vous adhérez pas, c'est vous qui voyez. Mais par maintenant, je vous dis bonne journée. À bientôt. La vapote, c'est mieux que la clope. Ciao.